très rapidement, j'ai envie de vous demander, il n'y a pas eu de primaire à proprement parler au Parti Socialiste, vous le regrettez aujourd'hui? Écoutez, si je vois les primaires, la manière dont elles se sont passées à l'UMP, non. Parce que ça n'a pas véritablement intéressé les Parisiens, et en plus à l'UMP, ça a donné lieu à des règlements un peu ridicules. Moi, si j'ai fait le choix de me rallier à la candidature d'Anne Hidalgo, c'est d'abord parce que sur le fond, on a constaté, on s'est rapproché, on a vu qu'on avait vraiment des positions qui étaient communes. Et à partir de là, si vous voulez, l'opportunité était de savoir quel est l'intérêt, hein, au-delà de son propre ego. Bon, moi, j'ai pensé que dans cette période, en tout cas, où il y a un certain décalage entre ce qui est notre préparation bien légitime des élections municipales et les préoccupations immédiates des Parisiens, franchement, ce que nous avions à débattre ne méritait pas qu'on l'expose plus longtemps devant les Parisiens, mais qu'on se rassemble pour être plus efficace. C'est ce que on parle d'ego, juste pour terminer sur ces questions un peu plus personnelles. On a un internaute qui nous a envoyé une question au tout début de l'émission. Il vous dit que vous étiez dans l'équipe de campagne de François Hollande, chargé de la santé, d'ailleurs, notamment. Vous n'avez pas été appelé pour un poste de ministre. Alors, on vient de dire que vous n'avez pas non plus été candidat à Paris. Est-ce que vous avez de la rancœur ou de l'impatience? En tout cas, on sait que le mot ambition est employé par beaucoup en ce moment. Oui. Je pense qu'il faut. Moi, je trouve que la situation. Non, je n'ai franchement pas certainement pas de la rancœur, ni même d'amertume. Bon, j'ai dit à un moment que j'avais regretté de ne pas faire partie de cette équipe parce que j'avais une ambition qui était celle de changer, effectivement. Je crois que notre système de santé va connaître dans les années qui viennent de très grandes difficultés et j'ai l'impression que de temps en temps, eh bien, on ne prend pas la mesure de ces difficultés. Vous voyez, je ne suis pas de ce point de vue, je n'annonce pas des lendemains qui chantent. Et vous voudriez être le ministre Non, bon, maintenant, je suis parlementaire dans une période politiquement passionnante, extrêmement difficile. On vient de parler de tous les sujets. J'ai ma liberté de parole, j'ai l'intention de l'utiliser. J'ai des choses à dire. Je voudrais aider ce gouvernement, mais pas toujours simplement en étant dans l'argumentaire de ce qu'il fait, mais en lui demandant aussi d'avoir plus d'ambition de réforme. Je pense qu'il faut aujourd'hui aller plus loin dans les réformes. Il faut donner plus de perspectives et ne pas se contenter de gérer. Moi, je suis pour une gauche réformiste, et qui dit réformiste dit pragmatisme, mais dit aussi perspective, transformation sociale. On l'a vu.